Bonjour à tous, bienvenue sur Best TV. Alors Nabil réagit à la story d'Ilan. Il balance aussi que Julien Berthe aurait été violent avec Ilona. Il l'aurait aussi trompé avec la femme d'un footballeur. Ilona n'était pas au courant. Je vous laisse avec la vidéo. La famille, hier j'étais pas présent. J'ai pris la route et j'ai fait quelque chose de très important. Je suis sur Marseille là. Donc forcément, j'ai pas pu réagir. Et eux, comme ils ont vu que j'ai pas fait de story, ils se sont dit tranquille, il a plus rien. Et donc, ce Tahan Dylan, il a fait une story pour essayer de se justifier et de se dépêtrer de toute cette histoire. Sauf que mon pote, si j'ai pas fait de story hier, c'est pas parce que j'ai plus rien. C'est parce que j'étais occupé. Donc malheureusement pour toi, la story d'aujourd'hui, elle va venir démonter celle que t'as fait hier. Vous avez sorti les... Je voudrais ressembler. Parce que ces personnes pensent peut-être que je suis jaloux envers eux, mais pas du tout. Jamais je veux leur ressembler. Jamais, jamais. Après, ce qui se passe dans leur vie, c'est pas à moi d'en parler. C'est pas à moi de le dire. Moi, je rentrerai jamais comme eux dans cette méchanceté de vouloir faire sortir des choses à travers des blogueurs ou à travers des choses. Parce que effectivement, ils prennent pas la parole eux-mêmes. Bah oui, mais bon, si tu fais dire les choses par quelqu'un d'autre, c'est exactement la même chose. Moi, je fais pas ça. Moi, je crois au karma, je crois en certaines choses qui fait que je me permettrai pas de faire ces choses-là. Maintenant, la question que je me pose, c'est, ça y est, vous avez sorti les dossiers 10 fois de la même année il y a 10 ans. Maintenant, est-ce que vous allez me laisser tranquille? Est-ce que maintenant, je vais pouvoir faire ma vie correctement? C'est ça que je demande. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour les messages de soutien que j'ai eus, parce que voilà, il y en a beaucoup qui savent qui je suis, que je suis quelqu'un de parfois maladroit. Ah, il est bon. Ah ouais, il est bon. Merci pour les messages de soutien. Il n'en a pas reçu un. Il s'était terminé, insulté, laissé tomber. Il dit merci pour les messages de soutien. Sachez que s'il avait reçu ne serait-ce qu'un message de soutien, il n'aurait pas fait de story. Et que s'il fait la story, c'est parce qu'il s'est fait terminer, démonter sur tous les réseaux sociaux et qu'il a dû recevoir des messages. Donc maintenant, quand il dit, oui, il ressort des histoires d'il y a plusieurs années, je vais vous montrer que c'est faux, que c'est une histoire en pleine actualité et qu'à la limite, même si Ilona, oui, la photo, elle date de il y a 2 ans, elle est ressortie là, récemment. Et Josepa, ça peut pas dater d'il y a 2 ans parce qu'il y a 2 ans, elle n'existait pas dans les réseaux. Ok, donc c'est tout récent. C'est dans le tournage du Cross que les gens ont appris que t'envoyais des nudes de Josepa à tes potes et à toutes tes ex en fait, de toutes tes ex en fait. Et c'est ce qui t'a fait des problèmes plutôt. Donc la famille, dans les captures que je vous ai mises, c'est un peu flou parce que c'est une capture vidéo de base. Vous voyez clairement que dessus, il y a un moment, Julien Berthe, il dit si on pète les plans, en gros, c'est par rapport à ce qu'il a fait à Josepa. Que Josepa, il y a 2 ans, elle n'existait pas sur les réseaux sociaux. Donc, c'est tout récent. Et il l'a refait avec Ilona. Donc oui, la photo d'Ilona, en fait, avait été prise il y a des années. Mais c'est tout récent qu'elle est sortie et qu'elle a été envoyée. Parce que Ilan avait la haine un peu contre Julien Berthe. Je comprends pas comment tu peux faire le cas numéro quand t'es la pire des ordures qui soit. Avec les femmes, en tout cas, parce qu'avec les hommes, t'es doux comme un agneau. Enfin bref. Et d'ailleurs, la famille, je vais vous montrer que ce que je dis, c'est vrai. Là, ça fait 2 semaines à peu près qu'ils sont en embrouille intensif. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a 1 semaine et demie de ça à peu près, Ilan a posté ça dans sa story. Je vous le mets là de suite. Donc, messieurs, dames, s'il y a 1 semaine et demie de ça, donc avant même que je sorte le dossier, Ilan vous a dit « J'arrive pas à dormir, je me pose une question. Qu'est-ce qui est le plus grave ? Envoyer une photo, un nude, ou tromper sa femme ?» Est-ce que vous savez pourquoi il a dit ça ? Bah parce que donc tout le monde est en train de lui mettre la pression pour dire en gros s'il fait le cross, nous on le fait pas. Donc... Et il s'est dit, mais moi, j'ai rien fait de grave. J'ai pris en photo Ilona, à la limite, je l'ai envoyé à un pote à moi. Mais toi, Julien, en gros, ça voulait dire que tu as trompé ta femme. Je vais vous expliquer à quoi il fait référence. Donc, Julien Berthe est très ami avec un joueur de foot qui joue à Saint-Étienne. Je vais vous mettre
une photo de lui de suite. Donc, l'ami de Julien, il s'agit de Rémi Cabella, joueur de foot à Saint-Étienne, qui est en couple depuis de nombreuses années avec une femme, bien sûr. Et cette femme-là, je vais vous mettre son profil également. Et là, c'est une grosse exclue parce que deux choses. Non seulement Rémi Cabella n'est pas au courant de ce que je vais dire, mais en plus, Ilona non plus. Donc, les deux seules personnes au courant de ce que je vais vous annoncer, c'est Julien Berthe et Ilan. Ok? Julien Berthe et Ilan ont passé une soirée avec la femme de Rémi Cabella et ça a dérivé, ils ont couché avec les deux. Donc là, je viens de vous mettre le profil de la femme de Rémi Cabella. D'ailleurs, vous constaterez qu'elle suit et Julien et Ilona. Donc voilà, j'ai conscience que ça va peut-être foutre grandement la merde entre Julien et Ilona, même s'ils vont pas vous le montrer sur les réseaux sociaux, mais aussi entre Rémi Cabella et sa femme, puisque Rémi Cabella n'est pas au courant. Néanmoins, je pouvais pas taire cette information, sachant que Ilan a déjà jeté l'huile sur le feu il y a une semaine et demie, personne savait de quoi il parlait, donc je vous explique maintenant. Les amis, croyez-moi, et c'est une certitude, et vous vous doutez bien que si je vous annonce ça, c'est que j'ai une preuve très tangible, une photo, mais qui n'est pas diffusable sur Snap en tout cas. Par contre, elle peut être diffusée sur Telegram ou Botchim. Si jamais n'importe lequel d'entre eux me fait mentir, enfin, essaie de me faire passer pour un mytho, fait un démenti, je me devrais par contre dans l'obligation de faire fuiter la photo. Mais là, ce que je vous dis, c'est une certitude. Et donc les deux, Ilan et Julien, était chez cette jeune fille. La photo a été prise en tout cas chez elle. Donc voilà, première exclue de la journée. Ensuite, par rapport à ce que j'ai annoncé hier et avant-hier que Ilona avait été battue par Julien et que c'est pour ça qu'elle avait avorté et à deux reprises. Pareil, vous me connaissez, vous vous doutez bien que je vous ai pas lancé ça parce que ça m'est venu du Saint-Esprit ou qu'on me l'a soufflé à l'oreille. C'est que j'en ai les preuves. Vous inquiétez pas, la famille. De toute façon, je suis dessus, je suis sur le dos. Simplement, vous voyez bien, je suis pas chez moi. Je cours dans tous les sens. Je suis en train de faire mon déménagement. Donc aujourd'hui, demain, dans les jours qui viennent, c'est le sujet qu'on traite. Vous allez avoir toutes les preuves de ce que je vous ai annoncé.